Et oui, c'est le temps de faire des breaks. Comme diraient les Denoubies. Donne-moi un break. Ok, donc break 279 déjà. Donc là, je vous avertis tout de suite, les boys and girls. It's probably the last one tonight because I'm very tired, you know. Donc, demain, grosse journée, on prépare d'autres petites surprises. Et là, on a hâte que la série 2 la sorte. On a hâte. Hey, il y a eu beaucoup de clients aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de clients qui se sont pointés à la boutique. Donc, sachez que si vous venez à la boutique, on vient de déménager. Donc, tout n'est pas encore tout mis en place là, adéquatement. Fait que, c'est ça, je veux juste tenir au courant. Fait que Burger 179, on a 4 belles boîtes que j'aime en plus de l'Ultimate, c'est une de mes boîtes favorites. Et on va commencer le random, savoir quelle équipe va aller à qui pour commencer ça, les gars. 4 fois, on brasse la soupe, let's go. Et final round, et on s'en va dire à tout le monde quelle équipe est à qui. Donc, pour les Bruins de Boston, ça va être avec Jason Wright. Ensuite, les Sabres de Buffalo, Nicolas Gagne, Daniel Paquette qui reçoit les Hurricanes de la Caroline. Ensuite, on va avoir les Blackhawks à Joe Gingras, Denis à Pierreville. L'Avalanche, ça va à Mike Keeley. Un nouveau, donc on salue, bienvenue dans la famille. L'Avalanche, Colorado, très bon team, ça, 19-20 là, pour l'avoir dans la Ultimate. On pourra peut-être avoir une calme à corps. Ensuite, on va avoir Columbus et Christophe Carmel, qui est aussi un nouveau qu'on salue aussi pour les Blue Jackets. Donc, la 2021, on pourrait peut-être obtenir un petit Alexandre Tessier, sait-on jamais. Ensuite, pour Dallas, Kevin Cadieu, David Vien, les Red Wings, Edmonton, à Benoît Boulay, la Floride, ça va sonner du B. Ensuite, JP Mahou qui se retrouve avec les Kings de Los Angeles, Steve Robitaille avec le Canadien, c'est aussi gros club. Nashville, Tommy Gagnon, Devils, Tommy Gagnon aussi. Jack Hughes, hein. Les Islanders à Sylvain Tremblay, Joe Gingras de Val d'Or, que les Rangers. Donc, c'est bon dans la 2021. Ottawa, Samsung, Samuel Gauthier, Dion, les Flyers, les Pingouins, Nicolas Gagne, JV Moreau, son deuxième spot s'en va aux Blues, The Lightning, Gaulussier, Fortin, Yann Larouche, Toronto, Vancouver, Guillaume, Lapointe, Comté, M. aussi Danny Brisbane, Washington, Golden Knights à Sylvain Tremblay, Dave Laroche, les Jets et les Coyotes, Wild Ducks à Bruno Bulduc et San Jose Calgary pour finir le troisième spot de Sylvain Tremblay. On s'en va au live scene et je vous change le défilement parce qu'il n'est pas bon pour l'instant. Mais là, il est à jour. Donc, il est mis à jour. Donc, yes sir! Break 279 tout le monde! Et 4 boîtes ici. Fait qu'évidemment, on va commencer avec la série 1, 19-20. On va enchaîner ensuite avec la Artefact, 20-21. Et ensuite, je vais aller dans la Ultimate et la Chrono. Généralement, j'aurais fait l'Ultimate en dernier, là, mais là, dernièrement, elle mérite pas que je la mette en dernier. Fait que c'est trop de pression pour elle. Donc, je vais la mettre en main event, mais en co-main event. OK? Fait que je vais la mettre... Avant-dernière, JP Moreau qui dit Go Valdor. Fait que salut JP, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle journée. Belle journée. Fait que là, demain, tracking jusqu'au break 278 pour le hockey. Vous pouvez toujours acheter le tracking pour 10$, sinon on envoie faire la poste. On envoie par la poste régulière avec Post Canada. Souci avec Post Canada, on s'entend là, qu'on envoie le tracking, mais c'est juste que le tracking, c'est un colis accéléré et on peut suivre votre colis si jamais il prend du temps avant d'arriver. On peut savoir où ce qui est. Une sorte de protection aussi. C'est que, salut Jason Wright. Donc, Jason Wright, fidèle au poste. Là, je suis parti sur un trip là, de manger des dumplings là, des fois, là, mais j'abuse. J'abuse de manger des dumplings. Genre, j'ai dû en manger 22 pour souper. Ouais. What's up, Fred? What's up? Qu'est-ce qui se passe avec moi, Jason? Ben,
Aujourd'hui au travail, j'avoue que j'ai pas été super productif, honnêtement. J'ai pas connu une grosse journée niveau travail, pour être bien honnête. C'est ça. Mais il y a eu des clients, j'ai jasé pas mal. Marc-André Nadeau est venu venu jaser de cartes. Éric Desjardins aussi, venu chercher ses Joe Burrows qu'il avait eu au foot. Les clients qui sont venus s'informer sur les boîtes de foot, justement aussi. À savoir qu'est-ce qu'on avait comme boîte. Et là, on va avoir des boîtes de Star Wars. Je me demande quel genre de brick je vais faire avec ça, là. Fait qu'on va voir. Donc, Jason qui dit qu'il va venir nous pousser au magasin. Et là, Jason, ça fait juste 2 jours, mais il y a du changement dans le magasin, il y a du décor. Et on commence avec une petite UD. Rookie Portrait de Ryan Peeling pour Montréal. Donc, la propriété insert, ça va à Steve Robitaille. Donc, Sylvain Tremblay qui dit que à chaque fois que c'est moi, puis que des clubs fuck-all, ils passent la gratte. Ouais, peut-être, ça va être encore ça. T'as quand même Vegas, donc tu pourrais peut-être avoir une petite Cody Glass dans la série 1. Une Carson Tarinski, c'est notre première Young Gun pour les Flyers de Philadelphie. Samuel Gauthier-Dionne. Et ça, c'est sûr que, étant donné que c'est une Young Gun, ça s'en va direct sur le board en attendant. Parce que c'est pas la meilleure, on s'entend, là, jusqu'à présent, c'est pas le plus gros hit qu'on a eu chez Savage. Une canvas pour le New Jersey, Tommy Gagnon, une Travis Ajak. Et lui était, il était, lui quand j'étais plus jeune, il était voué à un brillant avenir. C'est genre, oh lui, il a eu une première grosse première année, là, puis là, tout le monde s'était emballé ben raide. Ok. Donc, je salue les 21 personnes qui sont dans la vidéo ce soir, qui regardent ça. Donc, on y va, on continue. Next Generation, Nico Hischier pour les Devils. Tommy Gagnon encore. Et on est à la recherche de notre deuxième Young Gun. Et on a Nikita Kucherov, UD Portrait pour Tampa Bay. On salue Hugo, Lucien Fortin du même coup. Sam Gauthier qui dit merci quand même. Pour Sam. Ah, pour Philadelphie. Une Tyro Arosi, Détroit! Donc, Détroit, David vient. Mais garde bien Sam, juste pour toi, là, je vais la laisser là. Je vais la laisser là, la Carson. Elle va rester en première place, là. Peu importe la Young Gun qu'on va avoir. Je vais la laisser là, juste pour toi. Ok, la Tyro Arosi, on va la placer en deuxième. Ok, monsieur, qu'on salue, Kimi Desgranges, qui souhaite bonne chance à tout le monde, qui fait juste regarder. Parce que des fois, c'est satisfaisant de regarder des petits breaks de hockey, même si on participe pas. Donc, Marc-André Nadeau qui m'a dit tantôt que sa blonde était piquée de m'entendre. Parce qu'elle m'entend toutes les soirs parce qu'il m'écoute. Fait qu'il s'est rendu qu'il met un petit Bluetooth dans son oreille pour regarder du coin de l'œil les breaks. Ça, c'est quand même funny. Hein. Il est bon à Jack, c'est New York City pour Joe Gingras de Val d'Or. New York. New York. Une Henry Vejnikov pour la Caroline. Daniel Paquette. Jack Paquette. Patrick Roy ici, Colorado. Mike Kelly. Donc, Kelly, j'imagine. Je vais dire Mike. Je vais juste dire Mike. Mike K. Mike K. Donc, Patrick Roy. Update pour l'Avalanche. Et le reste, ce sont que des basses. On est déjà rendu à 3 Young Guns. Mais je suis dit pour une Quinn Hughes, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti une petite Quinn Hughes, là, les amis. Je suis dû, là. Canvas, Jack Eichel pour Buffalo, Nicolas Gain. Félicitations. Nicolas qu'on salue aussi. Nick Gain. Energy Indy Capital pour Los Angeles, JP Moreau.
Et je pense qu'on va voir notre Young Gun. Là. Et non, c'est un chandail. Porté lors d'un match Toronto. Pour Nylander. Là, c'est des bases. On va te mettre ça tout de suite dans un sleeve. Toronto qui appartient à Yann Larouche. Qu'on salue. Si vous voulez jaser, vous pouvez parler sur le chat. Pas de problème avec ça. Clayton Keller pour l'Arizona. Next Generation. L'Arizona qui appartient à Dave Laroche. The Rock. Dave The Rock. Pierre-Luc Dubois, UD Portrait pour Columbus. Lui qui a de la misère à revenir au jeu. Là. Donc blessé, on sait pas trop comment. Et on a une prochaine Young Gun. Et c'est une partenaire, Farrah Berry. Pour les Capitals de Washington, Danny Brisebois. Et le reste, c'est juste des bases. Quatrième Young Gun, et là, jusqu'à présent, notre plus gros, c'est peut-être la Libor à Jack pour New York. Non, 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 notre plus grosse, c'est la Carson Tarinski. C'est elle, notre plus grosse, Sam, c'est toi qui l'as. C'est toi qui as la plus grosse. Canvas, Josh Bailey pour les Islanders, Sylvain Tremblay. Donc Sylvain, on devrait entendre ton nom souvent vu que tu as 3 spots et 4 équipes. Il y a mon Young Gun ici de Carton. Verhage pour les Lightning de Tampa Bay. Hugo Lussier, Fortin. C'est certain que je te mets ça dans. Un sleeve. Il nous en manque juste une. Puis mon call pour vrai. C'est une Quinn Hughes. Ouais. Energy. Drew Doughty. Donc deux énergies pour l'enchanger. Tout à l'heure, c'était celle de Andy Kopitar. Il nous reste 6 paquets seulement à ouvrir. Ah, c'était JP Moreau. Ouais. Canvas Adam Henrique, l'ancien des Devils, maintenant avec les Ducks d'Anaheim, Bruno Bolduc. Salut Bruno. Donc Sylvain, moi je joue à la PS4, malheureusement, à NHL. Et on a une Zach Zenishin pour Boston. On est loin de Quinn Hughes, vu qu'il a été envoyé dans la AHL au début de l'année, mais. Ça veut rien dire, surtout en temps de COVID, on a besoin de faire jouer. C'est fou, hein, Mikael Frolik qui joue dans AHL, là. C'est quand même fou. Pensez-vous qu'on va le voir cette année, dans la Ligue nationale? Ils sont allés le chercher, puis ils font pas jouer pas en tout. Il va être sur l'équipe de réserve. On va finir ça avec une petite Joe Marchessault pour les Golden Knights de Vegas. Oh, et on a une Clear Cut Foundation. Nice! On a un hit ici, là, un gros hit. Donc, Grant Johansson et Pécariné pour Nashville. Tommy Gagnon, Clear Cut Foundation. Nice. Donc, Jason Wright qui dit gros hit. Effectivement, Zach Zenishin, big hit. Les gars, Libor, Tyrone, on va t'enlever, on va mettre Nashville ici. Et voilà. Et le reste, c'est des bases. Il nous reste 3 paquets. On a trouvé nos 6 Young Guns, à moins qu'on ait une canvas. On n'a vraiment pas eu beaucoup de portraits. J'imagine que c'est ce qu'on va avoir. Là. Energy Joe Huberdeau. On a eu beaucoup d'énergie en tout cas. Ça, on peut le dire. On a beaucoup de cartes énergie dans cette boîte-là.
Une shooting star, la rouge, donc elle est moins commune que la bleue. Pour Washington, Danny Brisebois, TJ Oshie. Nice one. Il nous reste une carte et ça va être une portrait. Oh, c'est une update de Corner McCroquette. Et le reste, c'est des bases. Edmonton, vous la voulez? Une petite update de Corner. Et regarde ici, je viens de voir ça, regarde. Des fois, les cartes, là, ils décident, là, qui s'ouvrent en deux, là. Je vois pas plus la maganer, là, mais je sais pas si tu vois, là. Let's go, là, le zoom, t'es capable. Focus. Ah, merde. Regarde, je sais pas si tu peux voir, là. Bref, des fois, la carte est maganée dans le coin, là. Je fais juste avertir. Et on y va avec l'artefact. 2021, donc là, c'est les recrues de cette année. Et après ça, on va retourner aux recrues de l'année passée. Parce qu'on va l'ouvrir une petite Ultimate. Parce que j'ai dit qu'on finit ça avec la chrono. Imaginez si je sors une Shield dans la Ultimate. Comment je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir gardé à la fin. Mais quand même. Je vous le dis, je vais briser le curse de cette façon-là en la faisant pas en main event, mais en co-main event. Oups. Là, hier, je n'avais pas été chanceux, on n'avait pas eu un jersey. Hier, dans notre boîte, c'est super rare que ça arrive. Là. Et on a une petite Jakub Voracek pour les Flyers. Ok. Sam. Tatoué ça. Non, les Flyers, c'est ça. C'était à Sam, je pense. Ouais. À Samuel Gauthier. Donc, sur 99, la 52e print Voracek. Donc, pour répondre à la question de Kenny qui demande sont où les deux copes. Nous, on est un magasin. Donc, malheureusement. Vu qu'on est un nouveau magasin, il suffit aux dernières, aux l'année précédente, les ventes pour te vendre des deux copes et on ne pouvait pas en avoir parce qu'on est un nouveau magasin. Une petite Bedburn 10 sur 299, la 105e pour San Jose. Premier hit pour San Jose et Sylvain Tremblay. Donc, base. On va avoir une petite Redemption. Non, c'est une Redemption. Non, c'est pas une Redemption. C'est une Dominique Hachek, 399e sur 499 pour Détroit. David Vien, félicitations. Nice job. Et on a une petite Rookie Redemption pour les Redemption pour Chicago. Joe Gingras de Napierville. Napierville. Mais là, on peut pas croire qu'on va se retrouver avec. Donc, c'est cave, vous en méritez. Ben, on trouve aussi, mais c'est parce que, tu sais, justement, il n'y en a pas beaucoup des deux copes. Fait qu'il y en a un magasin. Puis, vu qu'on est un magasin, ben, on peut pas acheter à d'autres magasins. Fait que. C'est ça, fait qu'on n'a pas de deux copes cette année. On va en avoir l'année prochaine, c'est sûr. Et on a une Nazem Kadri jersey 2 couleurs sur 175 pour Colorado. Mike Key. Donc le bleu et le rouge 20. La 7e print sur 175. Nice one. Nice, c'est sûr, ça va prendre la place de Libor à Jack, là, hein. Mais par exemple, ça prendra pas la place de notre chum. Petite base. Et non, un autre morceau de jersey. Et ça semble. Donc. Une Brad Marchand. Donc, deux couleurs encore le jersey. La sur 145, celle-ci. Et non, sur 175. La 143e. Pour Boston. Et Jason Wright, la peste.
Brad Marchand, lui qui liche des visages. Et voilà. Et ça va aller prendre la place de la Clear Cut Foundation de Boston, de Nashville pour aller à Boston. Et voilà mon Jason. Il nous reste deux paquets. Est-ce qu'on va avoir une petite signature? Oh shit, je pense qu'on a quelque chose ici. Là. Petite base. Ouh. Ouh, Dustin Brown, nice, Los Angeles, JP Moreau, Dustin Brown, le capitaine. Donc, l'ancien capitaine, parce que bien sûr, il s'est rendu capitaine, même s'il joue encore. En 2014, lorsqu'il a soulevé la Coupe Stanley Signature, nice, Lord Stanley Legacy Signature. Nice one, JP Moreau. Et là, ça, c'est sûr, ça va prendre la place de Nazem ici. Tiens. Parce que ça ne touche pas. On touche pas à la... On touche pas à celle-là. On touche pas à... Bon, on touche pas à Philadelphie. Là, là je pense qu'on va terminer avec une numérotée. Petite base de D'Angelo. Le ton de marde. On va terminer avec une numérotée sur 499 de Evander King. La 375e pour. Les Sharks, c'est le vin, prends-le. On s'en va dans l'Ultimate maintenant, donc hein, ça est dans la grosse pointure là. Là j'ai des grosses attentes, j'ai des grosses attentes. Yes, effectivement. Parle de quoi là, épaisseur? Parle ici. Ça c'est la première, la deuxième puis la troisième position. Quand je fais mon podium à la fin. Mais là, récemment, c'est elle la number one. Puis elle reste peut-être là. Et le paquet est très tight. Je suis content. Donc peut-être qu'on va avoir des. Salut Steve Robitaille! Salut le Canadien, Steve! Mais il n'y a rien qui est sorti du Canadien encore. Encore. Et là, on en a une grosse tic là-dedans. Oh là là. Oh là là. J'ai failli montrer une carte. Ça se peut, je l'ai montré. Je vais la montrer tout de suite après. On a une Ultimate Introduction pour les sénateurs d'Ottawa. Samsung, Max Verono. Max Verono. Et le pire, c'est que honnêtement, j'ai même pas de top load 180. Ici en ce moment, pas cher à la boutique. Nice. Donc une petite scène ici pour notre ami Max Verono. Ultimate Introduction. On va en dessous parce que je pense que vous avez vu la carte. On a une Julien Gauthier. Donc lui qui joue avec Lafrenière. Il est rendu à New York la 272e sur 399. La Ultimate Rookie Jersey. Et là, est-ce que c'est un Shield? Moi, quand je vois une grosse carte tick dans l'Ultimate, je pense au Shield. Mais c'est assurément une patch. C'est assez, c'est sûr que c'est une patch et tick comme une patch. Là, j'ai un Gauthier, on va la mettre ici. On va aller voir ça ici. Boston, Boston, Boston. Carson Coolman, signature sur 299. Jason Wright, la 293e. C'était pratiquement la dernière, la last print. Donc le numéro 83, Art 5, Ultimate Rookie Autographe. C'est peut-être pas non plus, là. J'ai dit ça, mais c'était épais comme si ça pouvait être, mais il s'amuse des fois à faire des grosses cartes. Et Boston, regarde, on va continuer le rituel de changer Boston pour Boston. Ok. Et on va avoir ici une petite carte de Ryan Poehling sur 49 seulement avec une patch 3 couleurs là. Alors regardez la troisième couleur ici, c'est du bleu. On voit légèrement du bleu là. Donc du bleu, du blanc et du rouge pour le Canadien sur 49 exemplaires seulement.
Donc, lui qui était une recrue l'année passée, souvenons-nous-en. Steve Robitaille, c'est à toi ça. Et je vais mettre ça dans un gros sleeve. Parce que dans un gros sleeve. Donc, il suffit juste qu'il revienne sur ses pattes et cette carte va exploser. Marché montréalais sur 49 seulement. Le gros Ryan Poehling, le joueur de centre. Et là, malheureusement, je n'ai pas de. Je vais la laisser comme ça ici. Parce que j'ai pas de top load en ce moment. Je me suis trompé, j'en ai des 130 à la place de 180. Fait que je vais la laisser là en faisant attention. Ryan Poehling, le joueur de Fortnite. Et ouf, et là, on en a une pas pire. Elle est plus lourde que d'habitude. Elle est plus lourde que d'habitude, je vous dirais. En tout cas, on en a deux là-dedans. C'est sûr qu'on a des tics. Regardez ça. D'habitude, c'est toute mince. Et là, on a deux tics là-dedans, assurément. Let's go for the show. It's time to shine. Let's go. Time to shine. Et on va avoir deux tics. Et une carte à ouvrir. Donc, préparez-vous à répondre à la question si on ouvre ou pas la capsule. Et on y va avec une base de Oliver Ekman-Larsson sur 222, la 92e pour les Coyotes. Dave Laroche. Et voilà. Et là, on va aller tout de suite chercher. On va chercher notre signature. On va aller voir notre Letterman en dessous. On a une petite Letterman ici. Ouh, de William Carlson pour Vegas. Le A de Carlson sur 25 exemplaires. Signé en doré en plus de ça. La 9e sur 25. Donc, Vegas, Sylvain Tremblay. Tu vois, tu disais que tu hitais quand c'était avec moi. Là, tu vois, la preuve, tu as une signature de William Carlson. J'ai fait 35 buts. 40 buts dans la Ligue nationale. Hein? Et elle aussi, je vais devoir la placer. Comme ça ici, le A. On va la placer sur un trépied. Oui, on peut les placer sur des trépieds. Pourquoi pas? Donc le A et on va placer la peeling. La Ryan Peeling sur un trépied aussi, tiens. Et voilà. Ok. Et là, il nous reste une seule carte. Et là, ça va être une time capsule. Il va falloir nous dire si on l'ouvre ou pas. Non, il nous reste une signature avant. J'avais oublié, il nous reste une signature. Et c'est nul autre que Scott Gomez pour les pour Devils, Tommy Gagnon. Malgré qu'on pourra dire tout ce qu'on veut sur Scott Gomez, là, mais sa signature est quand même très très classe. Et si vous connaissez Seth Deschambault qui fait partie du groupe, Scott Gomez est intéressé par sa carte qu'il avait eue dans la synergie de Scott Gomez lui-même. Donc, si jamais Tommy Gagnon, peut-être que Scotty, si tu, parce que je pense qu'il s'est lancé dans le monde des cartes aussi, fait qu'il serait peut-être intéressé à avoir sa propre carte. On ne sait pas. Scotty Gomez, et il nous reste une carte. Donc, il va falloir nous dire si vous voulez l'ouvrir ou pas. Hugo Lucier Fortin, Steven Stamkos, Time Capsule, est-ce qu'on l'ouvre ou on l'ouvre pas? Donc, il y a une petite carte qui se cache à l'intérieur. Elle n'est pas numérotée, donc c'est à toi de choisir. Tu pourrais peut-être avoir une signature à l'intérieur d'une recrue, peut-être d'une légende, du moins on verra. C'est peut-être pas une signature non plus. Est-ce qu'on l'ouvre ou pas, Hugo? C'est toi qui décides. La chanson va jouer deux fois. Et si jamais tu m'as pas répondu après que les deux fois, attends, elle joué, je la change. Tan, 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 tan. Et là, est-ce qu'Hugo est là? Hey Hugo, est-ce qu'on l'ouvre ou on l'ouvre pas? S'il était numéroté, je t'aurais dit de pas l'ouvrir là. C'est toi qui décides, hein. Tu peux l'ouvrir entre chez vous, c'est comme tu veux. Est-ce que The Show Must Go On? Ben. Personnellement, je l'ouvrirais, là, mais c'est ton call, je veux pas t'influencer. Là. Fait que. Si elle avait été numérotée, je t'aurais dit de pas l'ouvrir. Si genre c'était une recrue, je t'aurais dit de pas l'ouvrir. Mais.
Bon, Hugo qui décide de l'ouvrir, de show, must go on. Merci beaucoup, Hugo. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert une chronologie, honnêtement. Can you feel it? Can you feel it? Et là, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Oh ben, on va avoir une signature! On va avoir une signature! On va avoir une signature, fait que au moins, le go! Ça va une signature! C'est une signature de Gary Sutter! Nice! Nice! Gary Sutter, la carte qui semble être prise dans le plastique. Donc, une petite carte de Gary Sutter, numérotée sur 30 exemplaires seulement, la 25e print. Donc, une belle signature pour toi, mon ami. Et là, c'est sûr que ça, je sleeve ça comme ça. Fait que t'as bien fait de l'ouvrir. Tu te retrouves. Oh, et LP Leblanc qui a osé l'ouvrir, la OV numérotée sur 25, il y a eu une Rogi Vachon. Mais non, Sylvain, cette carte-là est pas à toi, elle est à Monsieur Lucier, parce que c'était sa carte, et il a décidé de l'ouvrir. Donc, merci beaucoup, The Show Must Go On, grâce à toi, Hugo. Merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin au break de ce soir, on va faire le tour de ce qu'on a eu rapidement. Donc, on est allé dans une série 1. On a d'abord eu la Libori Jack, la Tara Rosie, la Zeg Zenishin, la Carter Veragiri, la Ferreberry Washington. Ensuite, on est allé dans la Artefact, dans laquelle on a eu une nouvelle Brad Marchand pour Boston, deux jerseys, deux couleurs, The Matrix Production, Max DeRono, la Nazem Kadri. Elle, je la trouve vraiment belle. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles pour la Kadri. Une Clear Cut Foundation pour Nashville. Dans la Ultimate, ce qu'on a eu, on a eu la signature de Carson Coleman et la Ultimate Rookie Jersey pour les Hurricanes. Dans le chrono, on a eu la Scott Gomez signée. On a eu, honnêtement, c'est vraiment une vraiment belle carte. Ça. Pour vrai, Steve, là, tu tiens un bijou, trois couleurs, la patch, Ultimate Rookie Auto Patch de Ryan Poehling sur 49 exemplaires seulement. On a eu aussi la belle signature de Monsieur. Et c'est une pique en plus, le Monsieur Dustin Brown lorsqu'il a gagné la Coupe Stanley. On a eu la William Carlson sur 25, la 9e signée en doré. Wow boy, comme il aime signer sa carte. Et là, Monsieur Lucier qui a décidé de l'ouvrir, Time Capsule. Et le show must go on grâce à une Gary Sutter sur 30 seulement. Et en première position. Et on va mettre même la toune juste pour ça. La Carson Torinsky pour Sam Gauthier qui sort le hit de la soirée avec la Belle Young Gun des Flyers. Good job, Sam. Bon, fait que on se voit plus tard, les gars. Merci beaucoup d'avoir participé. Et on organise d'autres gros breaks pour vous autres. Ça, c'est un. J'aime ça des breaks. Avec des voix de la main. Ciao tout le monde!